heureuse d'être dans cette collection, évidemment. Et le titre, Le chemin des femmes, indique une traversée à la fois personnelle, mais surtout comme historienne, évidemment. Donc c'est un parcours historiographique qui est à la fois personnel et collectif, et qui rend compte aussi, je pense, des évolutions de l'histoire dans la longue période pendant laquelle j'ai écrit. Le livre commence par l'ère du temps, c'est-à-dire le texte d'Ego Histoire que j'avais donné dans les années 85-86, c'est déjà très très vieux, à Pierre Nora pour le livre qu'il avait initié. Et le livre se clôt par Mélancolie ouvrière, donné intégralement, parce que c'est un petit livre tout de même assez court, sur cette ouvrière Lucie Beau, qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup fascinée, et qui réunit à la fois deux qualités, d'être une femme et d'être une ouvrière. Donc ça faisait le lien entre plusieurs de mes intérêts. Le livre comporte trois volets, si l'on peut dire, ouvrier, marge et mur, femme. Vraiment les trois volets. Dans chacun de ces volets sont évidemment regroupés des textes choisis dans ce que j'ai pu écrire, en essayant d'éviter au maximum ce qui avait été donné dans deux recueils, Femmes ou silence de l'histoire et Les ombres de l'histoire. J'ai essayé de donner des textes qui n'avaient pas été donnés là. Mais enfin, quelquefois, il y a quand même des textes qui forcément se retrouvent. Dans Ouvrier, il y a des extraits de ma thèse d'autrefois qui s'appelle Les ouvriers en grève. J'ai privilégié ce qui concerne le geste et la parole dans la grève, qui est probablement quelque chose qui même actuellement intéresse davantage les gens, et également mouvement xénophobe, car il y avait dans l'époque que j'étudiais, fin 19e, il y avait déjà des problèmes de ce type qui m'avaient paru importants, intéressants. Et puis, il y a d'autres textes comme Vies ouvrières, c'est-à-dire là aussi des extraits des lieux de mémoire, les lieux de la mémoire ouvrière. Et puis, les gens que l'on rencontre dans cette partie-là, c'est à la fois des grands maîtres d'autrefois, comme Labrousse, qui était le grand maître de l'histoire économique et sociale, ou des gens comme Jean Métron, qui n'était pas au pinacle de l'université, mais qui a joué un rôle considérable dans la mémoire ouvrière avec son fameux dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Voilà pour cette partie. Marge et mur, dans Marge et mur, ça concerne plutôt les textes à partir des années 70, et ça correspond à cette période où on était en effet fasciné par les périphéries, plus que par le centre. Les grands noms de l'époque, Michel Foucault, bien sûr, qui a été le grand, qui a ouvert tellement de portes vers les prisons, la délinquance, la folie, etc. Donc j'ai regroupé là un certain nombre de textes sur les Apaches, sur les enfants de la petite roquette, ou sur les prisons, et en dehors de Michel Foucault, très présent, Robert Badinter. Car j'ai eu le privilège de faire pendant 5-6 ans un séminaire avec Robert Badinter sur la prison, dont il y a évidemment de nombreux échos dans cette partie. Et la troisième partie, les femmes, bien sûr, les femmes. Et là, j'ai privilégié un certain nombre de textes à travers mon parcours, en évoquant beaucoup aussi le travail collectif. Car cette période des années 75 et après, est à la fois importante pour moi sur le plan de mon travail personnel sur les femmes, mais ça a été aussi une grande période de travail collectif, par exemple avec l'histoire des femmes en Occident, que j'ai dirigée avec Georges Duby. Alors là, dans cette partie-là, il y a évidemment une rencontre avec Georges Duby et avec toute une équipe de collègues et d'amis que, évidemment, je cite beaucoup dans cette partie. Et ça se termine par Mélancolie ouvrière, c'est-à-dire qui m'avait été demandé par des éditrices de chez Grasset, le rôle pionnier des éditeurs dans tout cela, et qui m'avait demandé une héroïne pour leur collection. Et finalement, cette ouvrière que j'avais croisée, je l'ai cherchée, pistée, retrouvée, peut-être pas autant qu'on pouvait, pas toujours toutes les sources que l'on pouvait souhaiter, mais malgré tout, de quoi l'évoquer, je pense. Et femme, ouvrière, elle clôt le livre sur deux de mes grands intérêts.